Bonjour à tous et bienvenue sur TipTop. Si vous êtes à la recherche d'une loupe de lecture pour vous ou vos grands-parents, alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le top 3 des meilleures loupes pour lire des romans ou tout simplement observer de plus près les détails difficilement visibles à l'œil. Comme d'habitude sur TipTop, je vais vous présenter les 3 meilleurs par ordre de prix. Donc on commencera par la moins chère, puis celle avec le meilleur rapport qualité-prix et enfin la meilleure première. Donc commençons par la moins chère, à savoir la loupe de lecture Suform. Donc attention, le fabricant indique sur sa description que le grossissement est de 10 fois, alors qu'en réalité il est de 4 fois. Donc elle pèse seulement 150 grammes et mesure 18 cm de long, 9 cm de large et 1,8 cm d'épaisseur. A noter qu'elle est résistante aux rayures et elle a une fonction anti-éblouissement, ce qui est assez pratique pour finalement lire. La poignée est en caoutchouc, qui est antidérapante et confortable à tenir. Il y a même un petit trou dans cette poignée pour y glisser une cordelette par exemple. Donc cette loupe est basique mais elle est franchement pratique et elle est très bien notée avec une moyenne de 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 287 évaluations différentes. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description pour la commander directement ou en savoir davantage dessus. Passons maintenant au meilleur rapport qualité-prix, à savoir la loupe de lecture Busatia. Donc la longueur de cette loupe est de 19,5 cm, tandis que son diamètre est de 8 cm. Elle contient 3 piles triple A pour la fonction éclairage, et au niveau du poids, elle pèse 170 grammes. Donc comme vous le voyez, vous avez deux loupes en une, donc la plus grande qui grossit 3 fois l'image, tandis que la plus petite grossit 45 fois en moyenne. Donc personnellement, je me sers que de la plus grande, donc franchement, je ne sais pas si la petite est si pratique que ça. En tout cas, pour lire, la grande suffit largement. Vous avez également un bouton sur lequel vous pouvez appuyer pour utiliser justement l'éclairage de la loupe. Dernier point, il faut noter que la loupe est entourée de plastique noir et non de caoutchouc. Donc c'est un petit peu moins agréable, en tout cas confortable au niveau de la main. Dans l'ensemble, elle est quand même très bien notée avec une moyenne de 4,4 sur 5 sur plus de 1655 commentaires différents. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description pour la commander directement ou en savoir davantage dessus. Et enfin pour terminer, on va passer au meilleur premium, à savoir la loupe de lecture eManify. Donc là encore, vous avez une loupe 2 en 1, donc la grande partie zoom en 2 fois, tandis que la plus petite zoom en 5 fois. Au niveau du diamètre, elle fait 14 cm, donc elle est assez grande, et elle dispose d'une fonction éclairage avec 3 LED. Donc pour cela, elle nécessite 4 piles triple A, mais attention, elles ne sont pas fournies avec la loupe. En revanche, vous avez un chiffon de nettoyage qui lui est inclus afin de pouvoir la nettoyer facilement, et surtout sans l'abîmer. Au niveau des lumières, le fabricant dit que les piles peuvent durer 50 000 heures au niveau d'autonomie. Bon, franchement, j'en sais rien, pour être honnête avec vous. Je me suis pas amusé à la laisser allumer autant de temps pour tester. Ça me paraît énorme, mais finalement c'est possible parce que finalement l'éclairage, il convient parfaitement pour la lecture, mais il n'est pas puissant au point de vous éclairer la nuit dans le noir. Donc clairement, c'est possible, mais je ne peux pas vous le valider moi-même. Elle est un peu plus lourde que les précédents modèles puisqu'elle pèse 255 grammes, mais ça en reste quand même la meilleure première de cette sélection, et puis elle est très bien notée avec une moyenne de 4,4 sur 5 sur plus de 1309 avis clients différents. Donc si l'une de ces trois loupes vous intéresse, j'ai préparé pour vous des liens dans la description. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour en savoir plus sur chacune d'entre elles, ou directement pour en commander une chez vous et la recevoir dès demain matin. Si cette vidéo vous a plu et vous a fait gagner du temps dans votre recherche, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines bonnes affaires du web, et mettre un petit commentaire, ça aide la chaîne TipTop à se faire connaître et ça ne vous coûte rien. Merci du temps que vous m'avez accordé, et je vous souhaite une très belle journée ou une bonne fin de soirée. À la prochaine sur TipTop. Ciao.